out here. Plectrum. Good evening. This is her first record. Most people don't own it. Bienvenue dans cette lecture d'extrait du journal de Kurt Cobain. La quatrième de couverture nous dit « Leader du groupe Nirvana, porte-parole d'une génération, Kurt Cobain reste une légende nimbée de mystère. Portrait authentique et intimiste, ses notes et dessins épars retracent depuis ses débuts la rage dévorante qui précipita son succès et sa perte. Perpétuant, 20 ans après sa mort, la voix lucide et insoumise d'un homme en quête de vérité. Ne lis pas mon journal quand je serai partie. Ok, je pars travailler. Quand tu te réveilleras ce matin, lis mon journal s'il te plaît. Fouille dans mes affaires et devine-moi. La fin des années 80. Voici l'illustration subliminale d'une société qui s'est foutue en l'air toute seule, en s'enfonçant dans un système réchauffé de cupidité. Subliminal dans le sens où ne figure pas ici de collage punk rock de Michael J. Fox léchant le cul de Bruce Springsteen, accroché à un missile. À la place, on a le sentiment général d'avoir payé beaucoup trop cher pour absolument rien de stimulant. Vous pouvez vous dire « ouais, mais si on met de côté les photocopies, la maquette n'est pas dénuée d'un certain professionnalisme. » Connerie. Vous faites les frais de cette plaisanterie. Alors, suicidez-vous. Aucun effort ne pourra vous sauver de l'oubli. Le magazine « Puissance du vomi », pas d'adresse, pas de rédac-chef, pas de tarif pour les petites annonces. Nirvana vient d'Olympia, Washington, à 60 miles de Seattle. Le chanteur-guitariste de Nirvana, Kurt Cobain, et le bassiste Chris Novoselic ont vécu à Aberdeen, à 190 000 miles de Seattle. La population d'Aberdeen est constituée de beaufs bigots, mâchonneurs de tabac, flingueurs de cerfs, tueurs de PD, un tas de bûcherons pas vraiment portés sur les gugus New Wave. Chad, batterie, est originaire d'une île peuplée de gosses de riches barrés au LSD. Nirvana est un trio qui joue du heavy rock avec des accents punk. Ils n'ont habituellement aucun travail. Aussi peuvent-ils tourner à n'importe quel moment. Nirvana n'a jamais jammé sur Gloria ou Louis Louis. Pas plus que ses membres n'ont eu à réécrire ses chansons et se les attribuer. Nirvana cherche à graver sa musique sur vinyle et accepterait volontiers un prêt d'environ 2 000 $. Kurt. Mes paroles sont un gros bloc de contradictions. Elles sont partagées, entre des opinions très sincères et des sentiments que j'éprouve, et des dénégations sarcastiques, et j'espère drôles, d'idéaux bohèmes éculés depuis des années. Je veux dire par là qu'il n'existe apparemment que 2 options pour les auteurs de chansons. Le sombre et tragique visionnaire à la Morrissey, Michael Stipe ou Robert Smith, ou le blanc bec clownesque et tout fou, style « Hey, faisons la fête, oublions tout », à la Van Halen, ou toute cette mer de heavy metal. Je veux dire par là que j'aime me montrer passionné et sincère, mais j'aime aussi me marrer et faire l'abruti, boutonneux associé. Bavons sur le prog rock, le rock progressif.
Des tonnes de participes présents, plein de mots qui se terminent en « en », comme « masturbant », « exagérant », « mâchant », « mâchonnant », une plantureuse matrone hippie à gros seins, assise dans les bois de Nottingham avec le brouillard du petit matin. Écoutant « Stairway to Heaven » en enfilant des perles. Pas en se maquillant. Ah, je suis si incroyablement fière de toi. Une victoire éblouissante pour l'humanité. Peut-être y a-t-il de l'espoir? J'en ai eu les larmes aux yeux et la gorge serrée. À regarder par la fenêtre dans un embouteillage pendant 3 heures, voir défiler les petites tondeuses à gazon devant des centaines d'heureux propriétaires, embrasser tout cela d'un sourire et d'un regard radieux rempli de compassion. Tu as réussi. Prends donc un fruit. Maintenant, tu peux toi aussi t'acheter des draps pastels, des appareils électroniques et le papier toilette de tes rêves les plus fous. Il te reste tant à apprendre. Des milliers d'enfants aux joues roses, habillés de pieds en cap, de pantalons et de blousons, stonewashed. Des messieurs avec des moustaches, des dames avec des permanentes. Regarde, c'est ma maman. Elle a fait de tels progrès dans l'art du shopping et celui d'assortir les vêtements grâce au luxe qu'offre tout ce choix. Il te reste tant à apprendre. Le rock'n'roll n'en est qu'à ses débuts. Ne cache pas les produits que tu as achetés sous le siège. Prépare-toi à une fouille complète quand tu passeras la frontière pour rentrer. Consulte les prospectus et les tracts sous les étuis glaces qui te disent où trouver crédit et représentation légale. Je suis content pour toi et reproduis-toi, je t'en prie, nous faisons tout ce que nous pouvons ici aussi. Pose tes babies chaudes sur mes pieds froids au pied de mon lit. Je m'excuse. En m'excusant, je passe ma langue sur mon palais. Et ça fait comme une petite cage thoracique. Ma captivité ne me dérange pas. Mais la peau de bête et les conditions d'habitation à côté de la cage sont d'assez mauvais goût. Le critique déifié. La première chose que j'ai faite, c'est brûler tous mes bouquins de Charles Bukowski. J'ai sorti du papier alu et je l'ai étalé par terre. Déchiré en petits morceaux ces entrailles dégoûtantes de littérature plancton et craqué une allumette. Puis j'ai éteint la lumière et contemplé les flammes, en même temps que des films Super 8, réalisé sous l'influence de cette vie que j'avais décidé de changer. Mes créations se résumaient à l'habituelle mer de gore sanguinolente, avec enculage de marionnettes en prime, et oh, l'effet télépsychique créé par des motifs artis, bougeants et flottants de manière surréaliste et éloquente. Connerie. En fait, c'était comme d'assister à une réunion d'agents immobiliers, mais ça faisait un joli fond pour ma voix MTV vers Dieu. 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 J'ai les jambes croisées, un chapelet au flanc gauche, une Bible à droite. Me voici coincée au milieu avec vous. Coincée au milieu avec vous. C'est de qui déjà cette chanson? Stuck in the middle with you. Atlanta Rhythm Section? Steve Miller? Dieu? Atlanta Rhythm Section est composée de mecs au look supérieurement abruti. Comme ce type avec ses cheveux huileux et ses lunettes à grosses montures noires. Mais la palme d'or de la rockstar la plus atroce des années 70 revient à ce mec de Slade, le connard avec une frange minuscule très haute sur son front. Il ressemble à Woody des Bay City Rollers. Je connais un môme à Aberdeen qui est le portrait craché de Woody. Seigneur, si vous ne le croiriez pas, même les dents et même le nez. J'adorerais ressembler à Woody. Parce que, alors je pourrais former mon groupe et jouer Saturday Night. Qui s'est produit à Saturday Night Live? Non, ils auraient pas pu. Les fans auraient démoli le studio et frappé Don Pardo. J'adorerais être l'un de ces gamins sur la pochette de Kiss Alive, ceux qui tiennent les banderoles. Kiss. J'aime même pas Kiss. Les quiz rock. Bon Dieu, j'en ai tellement marre des quiz rock. Tu parles un challenge. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai vieux si je sais déjà tout sur le rock'n'roll avant d'avoir 19 ans? Et Dieu sait qu'il n'y a rien à apprendre de tous ces groupes de plagiaires nazes des 80. Ah oui, j'ai décidé que j'allais finir par devenir héroïnomane et me décomposer lentement dans les rues de l'Idaho ou n'importe quel état ordinaire du genre. Je m'emmerderais tellement que je passerais mon temps libre à lire des trucs sur ce que j'ai traversé et comment je suis délibérément restée candide. Parce que toi, monsieur rock critique, tu vas t'emmerder quand tu seras vieux. T'emmerder, t'emmerder, t'emmerder. Comme moi. Et comme les vieux d'aujourd'hui.
veux pas être le grand-père d'une petite fille qui changera mes couches souillées pendant que je mastiquerai des biscottes, m'accrocher à l'existence dans le seul but de pouvoir raconter ma vie en radoteur professionnel. D'ailleurs, ma mémoire est déjà flinguée à cause de toute l'herbe que j'ai fumée. J'ai vu ces hippies au Merle Griffin Show expliquer qu'ils avaient du spray nasal pour augmenter la mémoire. J'ai vu aussi ce couple qui jurait qu'avec l'entraînement approprié, on pouvait avoir jusqu'à 10 orgasmes par jour avant d'éjaculer. Bien sûr, si tu t'attaches en élastique au bout. Toutes ces pensées merveilleusement importantes et profondes m'ont empêché de me rendre compte que la baraque entière était remplie de la fumée des bouquins de Charles Bukowski et qu'une flamme de taille fort respectable léchait à présent les rideaux, ce qui m'a alarmée. Je n'ai eu que quelques minutes pour sortir. Tant pis pour Dieu. Salut Eugène. Je suis chez des potes à Olympia et j'écoute une émission merdique à la radio de la fac. J'ai compris que le problème n'était pas qu'il n'y avait pas de bon groupe, mais que les animateurs avaient vraiment des goûts atroces. Oh que oui. Et la preuve, c'est qu'ils passent en ce moment même une chanson de Nirvana extraite d'une vieille démo. Comment va Captain America? J'ai appris qu'on allait donner quelques concerts ensemble quand nous irons en Angleterre. Vivement qu'on y soit. Nous attendons vraiment ça avec impatience. Tous nos amis seront à Reading. Mudhoney, les Babes in Toyland, Sonic Youth, Iggy, etc. Éclate garantie. On a gagné la guerre. La propagande patriotique fonctionne à plein. Nous avons désormais le privilège de pouvoir acheter des cartes Tempête du désert, des drapeaux, des stickers et plein de vidéos de notre victoire éblouissante. Quand je me balade dans la rue, j'ai l'impression d'être à un meeting de Nuremberg. Eh, peut-être que Nirvana et Captain America pourraient tourner ensemble aux États-Unis et brûler des drapeaux américains sur scène. Nous, on repart en septembre. Si la proposition de branche te tiendrait au courant. 6 juin, le single Molly's Lip. Ça me gêne un peu de l'envoyer parce que la version est mauvaise, mais c'était un grand honneur de jouer l'une de tes chansons, de jouer ensemble et tout simplement de te rencontrer. À l'aise, le plus grand moment de ma vie. Mon groupe préféré est depuis longtemps les Vaseline et waouh. J'attends avec impatience de vous voir tous bientôt et merci de m'avoir écrit. Je me suis fait virer de mon appart. Je dors dans la bagnole, donc j'ai pas d'adresse. Mais voici le téléphone de Chris pour laisser des messages. Ton pote Kurt. J'ai peur du ridicule. J'ai exagérément conscience de la sincérité de ma voix. J'aime faire l'amour avec des gens. J'aime mes parents, tout en m'opposant à presque tout ce qu'ils défendent. Je comprends et apprécie la valeur de la religion pour les autres. La musique affecte mes émotions. Punk rock égale liberté. J'emprunte des petits bouts de la personnalité des autres pour constituer la mienne. You know, the old saying that you can't buy happiness. You think that's true? Well, yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. But, I mean, I was just probably almost just as happy with, you know, I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that. And that actually meant more to me because it was more of a stab in the dark, in a way, you know, because you didn't know if you're going to be able to afford it, and you don't know what you're really looking for, and when you find it, it's more special to you, rather than, you know, having $1,000 and going into a store like that and just buying the whole store, you know. It's not as special. I think one of the interesting things about Nirvana that you don't really talk about that much is that you're very concerned about sexism. I like that. That's good. So, how do you make people aware of that problem? By writing songs as blunt as "Rape Me." Having to resort to doing something like that is almost embarrassing because people didn't understand when we wrote a song like "About a Girl" or "Polly," and having to explain that and having misunderstandings about it, it's just.
I decided to write Rape Me in a way that was just so blunt and obvious that it's like no one could deny it, you know? No one could read into it any other way, you know? Although some people have, actually, because some of the lyrics in it, some people have thought that maybe it has something to do with my disgust with the media and the way they've treated us and stuff like that, but it's not true. That's not what the song's about at all. It's just my way of, in a sarcastic way almost, of like just saying how obvious do we have to be, you know? And I guess we don't talk about those kind of things that, you know, that are really important to us because I don't want to be thought of as like nothing more than a PC band, you know? I mean, we're entertainers, you know? That's what music is, and so it's really hard to, you know, step over the lines, you know? It's that you have so much power because that camera's on you. Right, you can use it. J'aime différents styles de musique. J'aime me moquer des musiciens que je considère comme des copieurs ou qui insultent la musique en tant qu'art, en fourguant au public leurs travaux tellement pathétiques que ça en devient gênant. J'aime écrire de la poésie. J'aime ignorer la poésie des autres. J'aime le vinyle. J'aime la nature et les animaux. J'aime nager. J'aime être en compagnie de mes amis. J'aime être seule. J'aime me sentir coupable d'être blanc, américain et de sexe mâle. J'adore dormir. J'aime me remplir la bouche de graines et les cracher au hasard en marchant. J'aime insulter les petits clébards qui aboient dans les voitures en stationnement. J'aime que les gens se sentent heureux et éprouvent un sentiment de supériorité en me voyant. J'aime haïr ceux qui ont la haine. J'aime pratiquer des incisions dans le ventre des nourrissons et baiser les plaies jusqu'à ce que l'enfant meure. J'aime rêver qu'un jour la jeunesse de ce monde connaîtra un sentiment de solidarité générationnelle. J'aime faire des efforts fallacieux pour éviter les conflits. J'aime exprimer des opinions fortes, sans rien d'autre pour les justifier que ma sincérité de base. J'aime la sincérité. Je manque de sincérité. Ce n'est pas un avis ni la voix de la sagesse, mais un désaveu, le désaveu de mon manque d'éducation, de ma perte d'inspiration, de ma terrifiante quête d'affection et de la honte systématique que j'éprouve envers la plupart des gens du même âge que moi. C'est même pas un poème. Seulement un gros tas de merde. Comme moi. J'aime me plaindre et ne rien faire pour que les choses s'arrangent. J'aime blâmer la génération de mes parents pour être presque parvenue à un changement social et avoir laissé tomber, après quelques efforts réussis du gouvernement et des médias pour dénaturer le mouvement, à coups de propagande, en utilisant des Manson et autres spécimens hippies comme preuve qu'ils n'avaient rien de plus que des maladies inhumaines, sataniques, communistes, antipatriotiques. Et à leur tour, les baby boomers sont devenus les youpies les plus hypocrites et conformistes jamais produits par une génération. J'aime exprimer calmement, rationnellement mon point de vue de manière conformiste, même si je me considère à l'extrême gauche. J'aime infiltrer les rouages d'un système en faisant mine de m'y intégrer, avant de commencer lentement à pourrir l'empire de l'intérieur. J'aime assassiner, de deux mots le moindre et le plus grand. J'aime mettre Dieu en accusation. J'aime avorter le Christ. J'aime baisser des moutons. J'aime savoir que les femmes sont généralement supérieures aux hommes et naturellement moins violentes qu'eux. J'aime savoir que les femmes sont le seul avenir du rock'n'roll. J'aime savoir que l'afro-américain a inventé le rock'n'roll, même s'il a été rétribué et reconnu pour ses efforts qu'en se conformant aux normes établies par l'homme blanc. J'aime savoir que l'afro-américain appartient une fois encore à la seule race ayant apporté à cette décennie un nouveau genre musical, à savoir le hip-hop rap. La censure est un truc très américain. J'ai rencontré beaucoup d'esprits capables de stocker et transmettre de vastes quantités d'informations et qui sont cependant dénués de la moindre parcelle de sagesse et insensibles à la passion. La conspiration du succès en Amérique est affaire d'immédiateté. Rabâcher sans relâche à l'intention de cerveaux dotés d'une capacité de concentration limitée. Vite, très vite, maintenant, avec un rap de nachos au goût fromage. Vite consommé, vite oublié, parce qu'hier n'était rien de plus qu'un gadget pour l'individu avide de vanité, de distraction et de rituels sociaux. Tout art pouvant s'inscrire dans la durée ne saurait être apprécié des masses.
Seul un petit pourcentage d'individus, toujours les mêmes, possèdent depuis toujours la patience nécessaire pour comprendre l'art. C'est bien ainsi. Les ignorants ne méritent pas d'être orientés dans leurs achats. Les scénarios se répètent. La communication verbale est épuisée. Les sitcoms sont des scénarios, et notre conversation aussi. Notre fête est née de l'ennui. Jouer un rôle pour se faire accepter et obtenir de l'affection, pour désinfecter, combattre le silence qui se propage comme un germe, et les violations qu'inflige l'élite à ceux qui ne sont pas de la fête. Les exclus étaient invités, peut-être dans un musée, loin du présent. J'ai maintenant atteint ma phase triste. Avant, c'était de la haine naïve. Je veux être le premier à découvrir et rejeter, avant que ce ne soit populaire. Demain s'annonce la phase rien à foutre, et je ne trépigne pas d'impatience en l'attendant. Des légumes diffuseront peut-être les produits chimiques que je sécrète à l'intérieur. Une bonne excuse, ces produits chimiques. Je touche rarement mon instrument. C'était si excitant, avant. Pratiquer la musique n'est pourtant pas une corvée. Mais c'est maintenant une perte de temps. Tous les 2 mois, je récolte les résultats de l'air. Tu n'attendras pas de ta rockstar qu'elle te guide. Un maniaco-dépressif sous zéro, flottant dans un caisson de décompression, chantant du Leonard Cohen, se masturbant, regardant pêcher les golfeurs en rêvant d'une collection de timbres. Le roi des mots est tout. Je sais seulement baiser et chanter. T'es-tu déjà senti sensible au point de vouloir tuer tes microbes? Qui seront le roi et la reine des déclassés? J'ai maintes fois perdu l'esprit, et mon portefeuille encore plus souvent. Le plus simplement possible, 2 points à la ligne. 1. Ne viole pas. 2. N'aie pas de préjugés. 3. Ne sois pas sexiste. 4. Aime tes enfants. 5. Aime tes voisins. 6. Aime-toi. Ne laisse pas tes opinions obstruer la liste ci-dessus. Fuck you all, this is the last song of the evening. What is it? This was written by what? My favorite performer. Our favorite performer, isn't it? All of ours? Do you like him the best? Oh, and there's a donation basket for Kurt wants to buy Lead Belly's guitar. Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Okay. Faut que je trouve un moyen. Un moyen de trouver un moyen. C'est pas parce que t'es parano qu'ils ne sont pas après toi. Les États-Unis, hors du Canada. Dieu est pédé et moi aussi. Dieu est amour. L'amour est aveugle et moi aussi. Je n'ai pas d'avis.
parce que je suis d'accord avec tout le monde. Me voici, inspirée, pour la simple raison que j'en ai ras-le-bol. Je ne suis pas aussi amère que je voudrais l'être. J'ai besoin de réapprendre l'anglais. Je ne parais pas sincère parce que je sais pas choisir ou décider assez vite. Mon écriture paraît scatologique à cause de mon manque de personnalité ou de mon excès de personnalité. Je suis obsédée par le fait que je suis maigre et idiot. J'ai sans doute jamais rencontré une seule personne avec qui je me sois sentie en phase du point de vue de l'intellect, de la spiritualité, du sens de l'humour. Je me fie à trop d'opinions et de partis contraires, des groupes, des classes, des clubs, des réunions, des concessions, des récessions, des conventions, avec un couvre-chef de Big Boss et un verre à la main, pérorant sur la saison de chasse et détaillant mes loisirs. Ces dernières 23 années ont apporté un succès stérile. 6 cordes, 24 notes, répétant la même gamme après 10, généralement basées sur un rythme à 4 temps. Le rock'n'roll, 30 ans, terminé. Ah, le bon vieux temps. La génération d'aujourd'hui, régression inconsciente, la technologie nous a finalement rattrapés. Le hip-hop rap, pour l'instant oui, très bien, original du moins. Terminé dans 3 ans. Les femmes? Oui. Privées d'opportunités depuis le début, il reste sans doute quelques idées dans un vagin non saturé. Les grandes surfaces du disque et de la radio jouent la sécurité, public ciblé, ce qui vend et rien d'autre. Nous sommes entièrement à leur merci. Avant, c'était le contraire. Programmateurs et animateurs, recyclez-vous dans l'immobilier. Je soutiens intégralement et sans réserve aucune. L'homosexualité, l'usage de drogue, l'expérimentation, même si je suis la preuve vivante des conséquences néfastes des excès, l'anti-oppression, contre la religion, le racisme, le sexisme, la censure et le patriotisme, la créativité par l'art, la musique, le journalisme, l'amour, l'amitié, la famille, les animaux et la révolution à grande échelle, violemment organisée et alimentée par le terrorisme. Il est impossible de déprogrammer les goinfres. Ce serait sympa de les voir quotidiennement pourchassés jusqu'à ce qu'ils se soumettent à des idées complètement opposées aux leurs, ou pètent de trouille au point de ne plus oser sortir de chez eux. John Lennon a été mon idole toute ma vie, mais il s'est complètement gouré sur la révolution. Reste assis sur ton cul et encaisse les coups. Connerie. Prends les armes, trouve un représentant de la goinfrerie ou de l'oppression et fais sauter la tête de cet enculé. Élabore des manifestes avec des idées, des contacts, des recrues. Alerte les médias, risque la prison ou l'assassinat. Fais-toi embaucher par la cible de telle façon qu'il te soit plus facile d'infiltrer le système et de pourrir lentement les rouages de l'Empire. Smell Like Teen Spirit, élément requis pour la vidéo du single. 1. Une Mercedes-Benz et quelques vieilles bagnoles. 2. L'accès à un centre commercial désaffecté, le rez-de-chaussée et une bijouterie. 3. Plein de faux bijoux. 4. Un amphi, une salle de gym. 5. Des centaines de surveillants étudiants. 6. Des tenues noires de cheerleader avec le signe A de l'anarchie imprimé sur la poitrine.
printemps 1991. Salut. Ouais, tous les mots en isme se répondent, mais au sommet de la chaîne alimentaire trône toujours le macho blanc corporate, le mâle fort comme un bœuf, irrécupérable à mon avis. Je veux dire, les rapports de classe sont déterminés par le sexisme parce que c'est le mâle qui contrôle tous les autres ismes. C'est une affaire d'homme. Et d'après moi, les gens ne peuvent réfuter aucun isme ou penser que certains sont plus ou moins importants, sauf pour le sexisme. Il est en charge, il décide. Je continue de penser que pour aborder tous les autres ismes, il faut d'abord mettre à nu le sexisme. Il est presque impossible de déprogrammer l'oppresseur mâle génétiquement constitué, en particulier parce qu'il a été biberonné au sexisme de génération en génération, comme les monstres réacs de la NRA et les bâtards de fils à papa corporate au pouvoir, ceux qui sont nés sans aucune autre option que de tout posséder, de laisser quelques miettes s'écraser à leurs pieds pour le reste d'entre nous. Mais il y a des milliers d'esprits innocents, des jeunes garçons crédules de 15 ans qui commencent à peine à se conformer à ce qu'on leur a inculqué sur ce qu'un homme est supposé être. Et les moyens abondent. Le plus efficace, ça s'appelle le divertissement. L'industrie du spectacle commence seulement à nous accepter, principalement à cause d'une hype bidon issue de la prise de conscience sociale et environnementale. La nouvelle attitude des 90, au point mort à cause du contre-coup patriotique de la guerre et tous ces meetings façon Nuremberg. Mais ils utilisent les médias, les grosses compagnies discographiques, les malfaisants oppresseurs, bon, faudrait que je trouve un autre mot, corporate, ceux qui sont de mèche avec le gouvernement, ceux sur qui le mouvement underground s'est vengé au début des années 80. Ces compagnies subventionnent désormais des groupes prétendument subversifs et alternatifs pour qu'ils mènent leur croisade. Bien sûr, c'est pas pour ça qu'ils filent la thune, hein, parce que ça ressemble à un truc qui pourrait rapporter gros. Mais nous pouvons nous servir d'eux. Nous pouvons faire passer pour l'ennemi afin d'infliger les rouages du système et de commencer à le pourrir de l'intérieur. Saboter l'Empire en faisant semblant de jouer leur jeu. Se compromettre juste assez pour les mettre au pied du mur. Et les têtes de nœuds poilues, suantes, machos, sexistes tomberont bientôt dans un bassin rempli de lames de rasoir et de la semence de l'insurrection de leurs enfants à la croisade de l'armée des déprogrammés souillant le sol de Wall Street de débris révolutionnaires. Salut, je suis le bohémien lunatique du groupe, le chanteur blond, l'artiste sensible. J'aime les pattes, les tortues marines, les filles aux yeux étranges, écrire, lire, me taire. Décorer des gâteaux, faire de l'équitation, nettoyer des armes, les imitations de Sally Strutter, les pina coladas et me faire surprendre par la pluie, l'enculage, l'acupuncture, la peinture. Les amis, les chats, les chèvres, les pulls en mohair, cultiver un bataillon de boutons, les scarifications, jouer avec mon groupe, ma femme, ma famille et tous ceux avec qui notre groupe travaille. Je n'accepterai de porter un t-shirt tie and dye que trempé dans le sang de Jerry Garcia et l'urine de Phil Collins. Voici quelques-uns de mes groupes préférés. Vaseline, Breeders, Stooge, Pixies, Sex Pistols, Raincoats, Melvins, Tales of Terror, Scratch Acid, Butthole Surfers, Young Marble Giants, Huge Overkilled, Marine Girls, Jesus Lizard, Teenage Fan Club, Slits, Mudhoney, Beat Happening, Cramps, Shonen Knife, Delta 5, Sonic Youth, Black Flight, REM, Meat Puppets 2, Witchy Poo, Hole, TV Personalities, Daniel Johnson, Sonics, Velvet Underground. Courtney, quand je dis que je t'aime, je n'ai pas honte. Et personne n'arrivera jamais, jamais à m'influencer, à me persuader, etc. Du contraire. Je te porte dans mon cœur, à la vue de tous. Je t'arbore comme les plumes d'un paon et avec la même envergure. Mais trop souvent avec une attention aussi brève que l'impact d'une balle en pleine tête. Je pense qu'il est pitoyable que le monde entier considère les gens patients, au comportement posé, comme des citoyens modèles. Reste qu'il ne faut pas passer sous silence l'aptitude à s'expliquer d'un ton calme et neutre. Et je dois le dire, je suis ce qu'on appelle un garçon lent. La façon dont je me suis métamorphosée, hier hyperactif, aujourd'hui figé comme un bloc de ciment, est... à défaut de mots plus appropriés,
ennuyeuse, exaspérante, déroutante, aussi compacte qu'un bloc de ciment. Le ciment ne contient aucun autre minéral. On n'y trouve même pas de pyrite. C'est entièrement fabriqué par l'homme. Et tu m'as appris que c'était ok d'être un homme. Et dans le monde classique des hommes, je t'affiche avec fierté comme la bague à mon doigt, qui ne contient pas non plus de minéral. Love, Kurt. Quand je pense à la droite, je pense aux clones de Ronald Reagan occupant des postes de maire dans tous les États américains. Quand j'entends le mot « droite », je pense à Hitler et Satan et à la guerre civile. Je pense aux terroristes qui complotent de tuer et terroriser les médecins du planning familial. La possibilité de se faire avorter dans ce pays est actuellement très réduite, à cause de Terry Randall et de sa Gestapo pro-life qui se réunissent dans des églises à tiffer de la meilleure tenue de camouflage possible. Dans la Maison de Dieu, les membres d'Opération Rescue, l'organisation à but non lucratif de Terry, mijotent une nouvelle action exemplaire de leur crew pour remplir leur devoir de bigot ordinaire. Ils entrent par effraction ou se pointent pendant les heures d'ouverture en faisant passer pour des patients dans les cliniques pratiquant l'avortement et déclenchent des bombes libérant un gaz qui se répand partout et bousille le matériel. Ils sèment des clous sur le parking du personnel et des docteurs. Ils les harcèlent de menaces et d'insultes téléphoniques. Ils manifestent devant des cliniques pratiquant l'avortement chaque jour, tous les jours, avec des pancartes vociférant la sage parole de Dieu à quiconque se trouve à portée de voix et empêchent souvent physiquement les patients d'entrer. Oui, ces gens ont des casiers judiciaires. Ils ont le savoir-faire de tireurs d'élite et de terroristes. Leur adresse dépasse de loin celle de leurs ennemis. Ils volent des fœtus dans l'ébène et les vies d'ordures et récupèrent ainsi des centaines de fœtus mutilés qui font circuler entre eux, stockent dans leur freezer, le garage familial, emballés dans des boîtes ou des housses en plastique. Les fœtus en voie de décomposition sont ensuite balancés à la figure des sénateurs, membres du Congrès ou plus simplement n'importe quel démocrate rattaché au gouvernement. Ces gens, qui sont des terroristes, partagent à la base les convictions des défenseurs de la suprématie de la race blanche et prétendent également agir et penser au nom de Dieu. Ils divulguent les noms, les adresses et les numéros de téléphone des patientes inscrites pour un avortement et des docteurs devant pratiquer l'opération. Ils disposent d'un réseau informatique accessible partout aux États-Unis. Accuser quelqu'un d'être de droite est l'insulte la plus ignoble et répugnante qu'on puisse imaginer. Ces gens haïssent les minorités de toutes les couleurs. Ils veulent les exterminer en masse, quiconque n'est pas blanc, croyant et de droite. En ce moment même, dans l'État de Floride, il n'y a plus aucun docteur ni clinique pratiquant l'avortement. Le nettoyage ethnique est en marche dans les quartiers pauvres des villes américaines. Blacks, hispaniques et autres sont éliminés avant même d'entrer au lycée. Les républicains de droite sont responsables de la propagation du crack et du sida dans les quartiers déshérités. Leur logique se résume à « mieux vaut tuer des êtres humains qui pensent et respirent de façon autonome que des cellules en développement, inertes et ignorantes, enfermées dans une chambre tiède. » L'hippocampe mâle porte ses enfants et les met au monde. À l'attention des garçons. Étape numéro 1. Rappelez-vous que vos grands frères, cousins, oncles et pères ne sont pas vos modèles. Ce qui veut dire que vous ne devez pas faire ce qu'ils font, vous ne devez pas faire ce qu'ils disent. Ils viennent d'une époque où leurs propres modèles ont appris à leurs fils à être méchants avec les filles, à se croire meilleurs, plus forts et plus intelligents qu'elles. Ils leur ont aussi enseigné des choses telles que « tu deviendras fort si tu te conduis en brut et tu te bats contre les mauviettes et les puceaux ». Le début des années 80 a vu les oppresseurs mâles, blancs et corporate accepter une nouvelle contre-culture musicale née avec le punk rock. Mais Clash, les Sex Pistols et même Ramones, avec leurs mélodies accrocheuses, n'ont jamais réussi à toucher le grand public. L'implication des gros labels s'est soldée par d'ex-groupes punk atteignant un tel degré de compromission que les seuls véritables succès de l'époque sont été Bill Idol ou Kajagoogoo. 14 ans plus tard, les voilà qui remettent ça. Les prétendus « groupes alternatifs » sont signés à tour de bras, et les plus enclins au compromis, ceux qui visent le grand public, sont ceux qui auront du succès. Nirvana publiera encore un ou deux albums brillants et sans concession, après quoi, frustré à la pensée de faire quasiment l'unanimité et couvert de dettes, finira par sortir de la dance music invertébrée à la Gang of Four.
so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. 1993 est venu et reparti sans bruit. En plus d'enregistrer un disque dont nous sommes plutôt fiers et de nous faire traîner dans la boue par des gens qui ne l'ont pas entendu, je dois dire que oui, 1993 a été une année féconde. Frances est un ange, qui pousse comme un champignon et apporte plus qu'elle ne le saura jamais. En nous aidant à nous relaxer, nous préoccuper moins des tentatives avortées des conspirateurs et terroristes de droite pour nous enlever notre raison méritée de gloire, fortune et grande vie à l'américaine. Dieu bénisse ce gâchis. Et merci, Seigneur, pour nous donner le droit d'opter pour l'Amérique d'aujourd'hui. Et des autocollants, tuer un PD pour le Seigneur. Ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de faire un disque avec l'une des seules personnes que j'admire. C'était un bonus à l'égal du plaisir que m'a apporté l'interview avec The Advocate. De tous les déballages auxquels je me suis livrée, je ne me suis jamais sentie aussi détendue qu'avec Kevin Allman. Il s'est montré très encourageant et sympa. Que dire d'autre ? Merci. Je me ferai toujours l'avocat des PD. Je vous adore et j'apprécie vos gracieux compliments. Hey, vous devriez interviewer le Canadien Bruce Labrousse. Il a fait quelques films fantastiques. J'espère qu'aucun d'entre vous ne m'aura trouvé trop condescendant. Love, Kurt. Restez gays jusqu'au bout et torchez-vous le cul avec USA Today. I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. J'espère que cette petite lecture et cette petite plongée dans l'univers de Kurt Cobain et du groupe Nirvana vous aura plu. Le choix des textes, la lecture, le montage et le travail documentaire ont été réalisés par Esther Landrier. À bientôt !